Départ, on va venir nous servir avec soi-disant une déclaration à la nation. Ce qui intéresse les Sénégalais aujourd'hui,
c'est que le président Macky Sall leur dise qu'il ne fera pas un troisième mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Le troisième mandat, il est anticonstitutionnel. Les Sénégalais aujourd'hui en ont marre de cette politique de misère, cette politique de détresse. Et les Sénégalais aujourd'hui veulent se libérer. C'est pourquoi je pense que tout ce que le président Macky Sall dira ce soir, soi-disant à son adresse à la nation, si ce n'est pas pour dire aux Sénégalais qu'ils comptent respecter la Constitution et qu'ils ne comptent pas briguer un troisième mandat, qu'ils sachent que tout ce qu'ils disent, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont en train de souffrir avec la vie chère, les Sénégalais sont en train de souffrir avec une politique de santé qui n'existe que de nom, les Sénégalais en ont marre d'une politique d'éducation qui n'existe aussi que de nom. Les Sénégalais en ont marre aujourd'hui de voir leurs ressources être pillées sans qu'en contrepartie la justice fasse son travail, parce que malheureusement le président Macky Sall a fini de diviser le Sénégal entre ses partisans, ses amis, ses copains, ses coquins et les intérêts du Sénégal. Le dernier exemple, c'est le rapport de la Cour des comptes. Et je répète, et rappelle bien sûr, que dans ce rapport de la Cour des comptes, la gestion personnelle de Macky Sall n'est pas auditée. Et Macky Sall devrait éventuellement nous dire qu'est-ce que lui a fait des 1000 milliards qu'on lui a donné. Ça aussi, il faudrait bien qu'on nous le dise. Donc, une fois de plus, di gërëm di sante sénégalais fini mu di nek di len di bégué len di jox sen waccu way parce que li moy démocratie. Li moy démocratie, ci démocratie ñi ki so ci andur ak politique buñ lay tek da ngay jog na woné sa nakar woné sa taxaway. Kon ñu ngi remercier particulièrement askanu Baobab parce que fina dëkk di len di gërëm di len di sante té fépp sénégalais mu di nek woné tay nakaram di len di gërëm di len di sante di len di encourager tamit té 2023 bi da nek atu wëdgu yaram da nek atu jamm da nek atu natangé ci askanu Sénégal mais na nek tamit at buñu joxante loxo bu mën fi jëlé Macky Sall parce que Macky Sall ci mom ak la dess est-ce que def fi joggé jamm ak salam wonté est-ce que yatt fi jëlé mom ci mom la dess wonté duñu Macky Sall bëgg tek buñ ko nangu tay buñ ko nangu ëlëk parce que luñu Macky Sall bëgg tek yebel la ak notel la ak jaay doole la du bëran dagalu Yalla motax ñu ngi wo sénégalais lañ joxante loxo du jot jot na du jot nak tay moy jëlé fi Macky Sall ak ni mo and dal ñuy gëreëm ñu di sant ñëpp voilà ñoo ko bisato voilà le peuple sénégalais qui vient d'être remercié par l'honorable député maire Barthélémy Diaz qui vient justement de faire son discours à la nation à Capaco, un concert de casseroles pour mettre fin à cette année et commencer une nouvelle année, une belle nouvelle année. Vous avez entendu monsieur le maire Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, qui a vous souhaité une très bonne année comme Bok et Mignolo. Concert de casseroles d'hiverne. Nous allons les bailler avec quelques secondes d'image. Il y a un peu de monde à Sikoye, Chimie Koubéry. Merci beaucoup d'être resté scotché avec nous. Et nous nous retrouvons très très bientôt pour d'autres nouvelles avec l'honorable député maire Barthélémy Diaz.
Thank you.
Thank you.
pas pour vous suivre la tête de YouTube de mon petit. Alors, on va dire que je vais vous 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 dire que je
avons vu à Kédougou, c'est un message très clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis 2012, c'est Macky Sall qui parlait à la population, mais c'est aujourd'hui, c'est la jeunesse qui a parlé à Macky Sall. Oui. Macky Sall, tu dois comprendre qu'il te reste 12 mois. 12 mois seulement de reste. 11 mois, disons. Macky Sall, arrête de piller les ressources du Sénégal. Macky Sall, arrêtez de voler nos milliards. Macky Sall, on est fatigué, la population du Sénégal est fatiguée. Arrêtez de piller les ressources du Sénégal. Aujourd'hui, nous assistons tout simplement à une situation catastrophique au Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie est à terre aujourd'hui. Les détournements, chaque jour on entend des scandales. Donc ça suffit. Macky Sall, comprends ce message. C'est ton peuple qui t'a parlé aujourd'hui pour la dernière fois. Parce qu'il te reste juste 11 mois. Macky Sall, tu dois comprendre que tu vas partir et tu dois laisser ce pays-là parce que en regardant cette belle jeunesse, donc ça veut dire que le Sénégal, on a de belles avenirs devant nous. Il ne faut pas détruire cela parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse qui est mobilisée ici, je pense bien qu'ils ont aussi quelque chose à donner aux Sénégalais. Donc tu ne dois pas détruire cela. Nous te lançons un appel solennel. Laisse et arrête tes manigances et arrête tes manipulations et restituer les milliards volés aux Sénégalais. Parce que nous avons vu le coronavirus lorsqu'on a envahi le Sénégal. Chaque Sénégalais s'est sacrifié. Les marchands ambulants, les chauffeurs, tous les Sénégalais, les séries, ils ont contribué. Et toi-même, Macky Sall, tu es parti demander de l'argent à l'étranger au nom du peuple sénégalais. Mais cet argent devrait retourner encore aux Sénégalais. Mais ce que nous avons assisté, vous vous êtes fait un bateau. Et ça doit s'arrêter. Vous allez restituer l'argent. Et après 2012, vous devez comprendre que vous allez rendre des comptes. Et vous allez rendre compte aux Sénégalais. Inch'Allah. Parce que yo do gor. Nous gen gor. Sénégalais, ils sacrifient. Sénégalais, ils sacrifient. Donc là, il y a milliards. Macky Sall, amo dara loy def milliards yoy. Loudoul satchuko. S'il vous plaît. Il a décédé. Macky Sall Ferrel le gagné par la grande porte. Parce que par A ou B, Macky Sall, xam nga né di nga dem. On est plus que déterminé, plus que 2012 même. Dinga dem par A ou B dinga dem. C'est pas dit dinga sacc. Dinga koy delo sénégalais. Une question. S'il vous plaît. Il y a un flou total là, sur la troisième candidature du président Macky Sall qui dit ni non, ni oui. Et si par extraordinaire il se présentait, quelle sera votre réaction? Macky Sall, il n'y a pas d'extraordinaire, il n'y a rien. La constitution est claire à son article 27. La constitution du Sénégal dit à son article 27, le mandat du président est de 5 ans. Renouvelable une fois. Toutefois, nul. Le nul là, c'est qui? Si on remplace le nul, même en délève de C1, on va trouver la réponse. Le nul là, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Remplace le nul par Macky Sall. Qu'est-ce que ça va donner? Macky Sall ne pourra plus faire un troisième mandat au Sénégal. C'est pas possible.
Et si par extraordinaire il essaye de faire ça, il n'a qu'à savoir, il va marcher sur 17 millions de Sénégalais. Mais il ne va pas rentrer au palais. Il va marcher sur le cadavre. Mais jamais au plus grand. Macky Sall, Khana lui, Khana Mom, Amour Khel. 2011, il a 11 Sénégalais. Macky Sall était à la place de l'obélisque. 11 Sénégalais. Alors, ces 11 Sénégalais, ça c'est de l'histoire. Aujourd'hui, dans l'histoire du Sénégal, on enseignera à nos petits-fils qu'en 2012, Macky Sall s'est battu contre la troisième candidature de Abdoulaye Wade. Et il y a eu 11 Sénégalais qui sont décédés. Mais ce même Macky Sall-là se permet encore de venir en 2024 pour encore vouloir tuer d'autres Sénégalais. On ne va pas l'accepter. Par A ou B, c'est fini pour lui. Macky Sall, Gassi, Keranaka Hala, Gassi, Macky Sall, Lamouma, Gassi, Abantale, Abantale, Kouratale, Tierre, Tac, Milliard, Inga, Sac, Yo, Axe, Gouvernement. Parce que nous sommes tous, nous sommes tous, même Kédou Goufi. Il y a des gens qui ont été du gouvernement Macky Sall. Il n'y a pas de moto, la moto n'y a pas de moto. Il y a des gens qui ont été tabassés dans l'immeuble. Moto, moto. Je vais parler devant toute la population de Kédougou. Quand nous sommes au gouvernement Macky Sall, nous n'avons pas de moto. Aujourd'hui, nous sommes dans R plus 5, nous allons prendre le khalisme. Mais nous n'avons pas de khalisme. Ils ont volé l'argent des Sénégalais. Donc par A ou B, vous allez nous rendre compte. Et ce que je dis, nous n'avons pas de khalisme. Ils sont tous des voleurs. Ils sont tous des voleurs. Merci. 400 000, 400 000. Et rendez-vous le 6, le 6 janvier, une grande mobilisation à Kédougou.
Mobilisation, biwa biñona def tay biñona wonena ni que d'accordul de manière bu ressources sénégal yi nuñ koy gérer biñona wonena ni que andul ak ni que le président Macky Sall di diriger sénégal biñona wonena ñu tay encore une fois ni que d'accorduñu si potentiel troisième candidature. Biwana Binyona a fini de tourner le dos au régime de Macky Sall. Taïwana Niko encore une fois. Plusieurs fois, Binyona s'est illustré à travers sa mobilisation. Taïwana Niko Fossel. Wana Niko, Binyona paraît pour Diamaro, à Kepuna Niko, Annana a troisième candidature Macky Sall. Amna Nifidonwa Niko, valide une candidature Macky Sall. Aïe Tchahanla. Bouni Nyeme, Bouni Amefit. Nous mobiliser comme nous nous mobiliser ni ñu woné ko ci talé bi mais do dugg ci sa salon ngay nan ni que valider nga ma candidature Macky Sall ay waxu tiaxan la wax bi yeb yeen gis ngeen ko kenn du len ko netali yeeno ko filmer ci talé bi mobilisation exceptionnelle bu biñona tay jour 31 décembre ñep waron nek fa le di fétu mais biñona woné sen dos accord avec le président Macky Sall réruñu. Oui, en tant que président du conseil départemental, quels sont vos sentiments à l'issue de la rencontre du conseil des casseroles? Je ne parle pas en tant que président du conseil départemental, je parle en tant que coordinateur départemental de la coalition Yeye Askanoui et de PASTEF qui ont appelé aujourd'hui à manifester sur tout le territoire. Félicitations à Binyona. Merci. Félicitations à la commune de Binyona. Merci. Félicitations à toutes les 19 communes. Merci. Félicitations au maire Bakary Diatta.
Félicitations aux honorables députés qui sont descendus en leur qualité de militants. J'ai l'honorable député Bakary Diédiou à côté. Félicitations surtout à tous les militants et sympathisants de Yewi Askan Wi. Ils ont donné un message fort. Deux messages à Macky Sall aujourd'hui. Le rapport de la Cour des comptes, les 40 voleurs d'Ali Baba doivent être traduits. Ils doivent être traduits et foutus en prison. Sonko wahon nako. Le deuxième message, je vais le répéter trois fois comme disait l'autre. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs au Sénégal. Je répète, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs au Sénégal. Je répète une troisième fois, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs au Sénégal. Que Macky Sall se le prenne pour dit par le peuple. Que Macky Sall se le prenne pour dit par tout Bignona. Que Macky Sall se le prenne pour dit par les citoyens qui gigotent. Que Macky Sall se le prenne pour dit par la Constitution de la République du Sénégal. Wassalam. En tant que député à l'Assemblée nationale, vous qui avez voté peut-être... Thank you.
Mokini Taulou Sidiane Lé TV, fi lañuy taxawone dëg yeen, di leen wax bu leen fàtte benn yoon abonné, ba nu pida di bësti cloche de notification bi ngir dara bañ leen a rëcc ci suñuy programme.